Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Salzar. On se retrouve juste après avoir détruit un petit campement de bandits et on était en train d'aller tranquillement vers la mine abandonnée, ce qui veut dire qu'il faut qu'on aille complètement là et eux nous attaquent très très bien. Ils nous aiment pas les Brotherhood, donc bah on va se les faire. Pas de raison. Allez, en avant. Boum. On va hop, invoquer quelques petits trucs sur leur tronche. Ouh, on prend cher. Petite téléportation vol de vie ici, ça fera toujours du bien. Ils ont des chameaux J'ai réussi à le mettre mon coup là ou pas? Ouais, je disais, ils ont des chameaux archers. C'est une belle saloperie ça. Comme truc. Toi, donne-moi ta vie. Alors, il y a encore des flèches qui se baladent en droite à gauche. Oula, lui il se fait allumer là par la ligne d'archer, c'est beau. Ouh, on a récupéré de la jade, ça fait plaisir, du bois. Pas mal de niveaux également. Nos petits archers d'Ib qui montent tranquillement de niveau. Bon, par contre, ils nous aiment pas les mecs, hein, forcément, mais... Ah, on peut monter nos apprentis sorcières, est-ce qu'on a ce qu'il faut? C'est ouf. Elles sont là... Jade, pour 4 jade, on obtient 3 witch. Et du coup, elle gagne un sort. Bombarde une zone avec le pouvoir des arcanes pour faire des dommages. Bah oui, bah complètement. Complètement, on fait ça. Alors là, on est sur du level 16. Ces deux-là, c'est une autre pure essence, c'est normal, faut les faire monter un peu. On pourrait éventuellement monter un peu eux là, ça les soignerait un peu. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? On a ce qu'il faut pour les transformer en skirmisher. C'est parti, hop, comme ça, ils reviennent full life, on a deux unités. Level 11. Allez, c'est parti, on va à la mine abandonnée. Ah, un petit peu de fer ici. Ça mange pas de pain, enfin un peu, putain, 26, ça fait plaisir. Hop. Alors, normalement, ouais, c'est ça, c'est selon, c'est par ici. On ramasse les trucs qui traînent, ici c'est quoi? Truc de recrutement. Des fermiers, non, pas besoin de fermiers, merci, ça ira. Donc on est toujours tout seul pour cette quête, mais c'est pas grave. Alors, vous m'avez dit dans les commentaires que j'avais pas forcément besoin que les gens m'aiment bien pour recruter. Il pouvait suffire que... Bah que je corresponde à certaines compétences, il suffit de leur demander en fait, de leur dire recruit, et ils disent ce qui va se passer en fait, ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils m'aiment pas, est-ce qu'ils ont besoin que je fasse des trucs ou quoi que ce soit. Donc faudra que j'essaye d'utiliser ce choix plus souvent. Alors je vous refais pas les textes, hein, les mecs ils nous attaquent. On va certainement pas les payer pour ça. Voilà, la petite invocation de bête. C'est une victoire cette fois. On était vraiment pas assez au niveau la dernière fois pour le faire tout seul, mais cette fois ça passe. Alors, ils tous, on était des camarades avant. Bah ouais, mais c'est vous qui m'avez attaqué. Ce n'est pas la peine de verser du sang pour rien. Donc il enlève le casque d'un de ses hommes en armure noire et il révèle le visage de Shafakat. Très très bien. Alors le signe, je suis désolé. Tu comprends maintenant. C'est lui qui t'a vendu. Ça fait très longtemps qu'on te cherche, traître. J'ai quelque chose à lui dire. Est-ce que c'est ok?
Alors, il nous fait un câlin, enfin très très bien, et il nous chuchote, des renforts sont en train d'arriver, ils veulent vous te prendre et étudier ton sang. Alors, le sang royal ne vous sauvera pas, toi et ton peuple. Trouve le cristal de sang noir, Black Blood Crystal. C'est ton seul espoir. Alors, soudainement, le sol en dessous de vous commence à briller. Alors, sorcier, sois maudit, Shafakat. Il essaye de téléporter le signe très loin. Alors, de la sorcellerie, on a à peine le temps de réagir avant de sentir comme un gros coup de marteau dans la tête. La dernière chose que l'on voit avant d'être téléporté est la vue de Shafakat empalée par trois épées. Alors, on peut à peine encaisser la mort de Shafakat, et encore moins ce qu'il nous a dit. Du sang royal, le cristal de sang noir, qu'est-ce qu'il voulait dire? On sent quelque chose de dur au niveau de notre ceinture. On baisse la... enfin, on regarde et on voit une pièce de métal, le dernier cadeau de Shafakat. Les mots Zagros Mountain and et Uma sont gravés dessus. Donc on a maintenant une nouvelle quête, Uma. Find Uma. Ok, très bien. Bon, et ben, une bonne chose de faite, j'ai envie de dire. Alors, il nous reste un petit talent. Là, je crois qu'on avait terminé sur ce truc-là. Enfin, sauf si on veut prendre de nouvelles squad capacity, mais... Qu'est-ce qu'on a ici? Encore un peu plus de... On va prendre un peu plus de Rose Potion parce qu'on a vu que mine de rien, c'était pas inutile. Hein. Dans les combats un peu difficiles, ça a tendance à vite partir. Alors, bon, bah une bonne chose de faite, cette quête. On va pouvoir essayer de faire la quête pour trouver l'armure de cendre. Voilà, c'est le cristal bleu qui est tout là-bas. Sachant... Alors, est-ce qu'on peut savoir... Non, on sait pas si c'est des dibs. On sait que... Les dibs ne nous aiment pas trop. Et vous m'avez conseillé de tenter des assauts sur les villages quand on se sentira assez fort. À la base, je voulais essayer de les faire en étant gentil, mais j'ai l'impression que c'est pas si évident que ça. Donc peut-être que les siéger est une bonne option. Alors ici on a un petit... une caverne dans le désert, on va la nettoyer en speed. C'est des gros loups mais ils sont tout seuls. Enfin ils sont tout seuls, ils sont que 6. Voilà, ça c'est fait. Hop là. On récupère un petit peu de fruits et des sous. Enfin, des fruits de cactus, je précise, parce que c'est pas non plus du fruit de qualité. Alors du coup, est-ce qu'on peut savoir... Donc là, eux, par exemple, ne sont a priori pas... ils nous aiment bien. Ici, c'est des Dacnes. Les Dacnes nous aiment bien, je crois. Ouais. Les Dacnes qui sont friendly, c'est les Deep qui sont hostiles. Mais je saisis pas trop... Que signifient les couleurs? Ah si, probablement que... Oui, le bleu comme ça doit être les Dib, et le bleu comme ça doit être les Dacnes. Ok, donc on pourrait éventuellement attaquer un truc comme ça si on voulait. Bon, il y a des élites quand même. Des Dark Priests. C'est plus costaud que là, hein. Ici c'est un peu de la merde la garnison. Bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il nous propose? Des villageois. Non. Ça ira. Est-ce qu'il a une quête intéressante? Des petits bandits. Ouais, des petits bandits, ouais. Alors, faut qu'on les trouve.
Alors, ça c'est la reine d'acte. Ok, je pense que je pourrais pas la recruter par contre, elle. Est-ce que t'as quelque chose que je pourrais faire pour toi? Goldie Kabir la provoque sans arrêt en ce moment. Il serait du côté des Zagros Mountain. On va refuser pour l'instant. Juste, on va aller voir. Les Zagros Mountain, c'était ce truc-là. On a une quête par là-bas, donc pourquoi pas. Vu que c'est eux qui nous aiment bien, j'ai envie de dire, faire des quêtes pour leur reine serait probablement pas déconnant. Donc faudra qu'on le trouve, le gars, mais c'est pas une priorité. On veut voir l'armure de cendre, nous, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble. Tiens, il y a un drapeau ici. Ah merde. Ah, c'est pour mettre un point de ralliement, ok. Mais c'est vrai que je m'en sers jamais, mais on a un parchemin pour se téléporter, hein. Normalement. Alors, on est arrivé au West Outpost. Des Youthsters. Donc ça, c'est les mages. Ouais, mais on va, non, pour l'instant, on va éviter. Je suis un peu trop haut, là, non? Pas si mal. Par où il faut aller? Descendre là, passer là. Mais non, il y a un truc. Non, je suis nickel. Faut que je passe par ici. Sinon je serai de l'autre côté de l'eau. Ça marchera pas. Ok, c'est ça le truc bleu. On l'avait vu le truc bleu, mais on savait pas trop quoi en foutre la dernière fois. La pierre bleue, c'est ici. Est-ce que on fouille pour l'armure de cendre? Bah oui, allons-y. Soudain, un large groupe de bandits nous encercle. Hey, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, une si belle armure. Tant de profits potentiels. Ouh, ils sont 105. Ça déconne pas. En plus, ils sont nombreux, on dirait. Ok, alors là, on va lancer ce truc-là. J'ai pas réussi, visiblement. Ça y est, j'ai pu l'invoquer. On va... Ça va, ils sont nombreux, mais on a quand même un très très bon DPS avec nos personnages. Tiens, mange. Avec notre vitesse de course, on fait très mal. J'ai plus de mana. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive dans ce jeu. Quand même assez rare pour être noté. Notre épée enflammée fait bien le taf, hein. Franchement, c'est cool. On peut invoquer les loups, on a suffisamment pour peut-être nous aider à poursuivre ce con. Alors là, il y a un rouge. Tiens, ça c'est le... Il y a un boss ici, j'avais pas vu. Écoute, nous aussi on va te taper dessus. Tape fort le petit con, cela dit. Et le loup, l'ours est très très long à esquiver, hein. Bon, je pense que lui, ça devait être faire partie de ceux qui nous aident le plus mal, maintenant qu'il est mort. On devrait être capable de les gérer. Ok, parfait. Bon, on est plus que 18. Quand même pris un peu cher aussi, mais niveau XP c'est la teuf. Alors, est-ce que c'est l'armure légendaire? Alors, c'est quelque chose, enfin c'est une un objet fabriqué à la main artisanale de grande qualité, comme quelque chose qui vient de l'âge des machines. Je suis content que ça ne soit pas tombé dans les mains de ces bandits. Et du coup on a la marche H Armor. Alors voyons voir si c'est mieux que notre truc actuel. Plus de vie, physical défense plus 28, Burning Aura. Oh. Ah,
C'est compliqué, plus 10 stamina, plus 7 de force, c'est probablement plus utile pour nous. Bon, le hold damage réduction plus 19% de l'autre est quand même assez badass aussi. Et le mouvement speed plus 100 sur les alliés proches, c'était quand même badass. On va la garder bien sûr pour éventuellement un allié. Au niveau de nos gens, qui c'est qui a souffert? Ah, eux, ils sont tous morts. Zut. C'est embêtant. Alors, comment on fait si je veux les restaurer? Keep, convert to squad, deactivate. Deux cents hutards, 50 de bois et 5 de jade sont required pour les... pour le restaurer. Peut-être si je clique dessus là, non. View details. Non, bah je sais pas. Bah on verra si jamais on arrive à trouver une White Rose Potion avant qu'ils disparaissent. En attendant, est-ce qu'on pourrait pas promote eux? Oui, on a complètement les sous et ça va les soigner. Notre Wolf Alpha a bien résisté également, c'est cool. Bon, les assassins ils sont que deux donc forcément ils ont un peu pris. 33, 33 et 64 du tard. Ah bah ouais, on prend, on le transforme en élite. Ça fera pas de mal. Et nos loups, est-ce qu'on les soigne? Ok. C'est parti. Bon, on a juste nos witches qui sont blessés. C'est un peu dommage, mais c'est pas la mort non plus. On a gagné un talent. Cool. Hop, on va prendre plus de potions du coup. Et au niveau des quêtes. Alors, on avait ce truc-là, Limestone Village, Debt Collector de Ryle. Ok. Ah, on avait ce truc-là, défaite d'Abaoui, c'est la quête que je viens de prendre là, pour détruire les bandits. Bon, on va essayer de faire celle-là, ça doit pas être très très loin. Alors les bandits du South Outpost, où est-ce qu'ils sont? Normalement ils doivent traîner dans un coin là. Pas. Ça c'est la reine de nouveau. Ah voilà, ils sont là. C'est parti. Hop là. Allez hop. Ils sont nombreux. On remonte un petit shoot. Et on va envoyer. Hop là. Boum. On va les calmer un peu. Ouais, nos tireurs sont efficaces, hein, ça fait plaisir. Alors, il faut qu'on aille reporter. On va essayer d'éviter eux parce qu'ils sont un peu énervés visiblement. Ils sont bien rouge vif. Hop là. Ok, une petite récompense. C'est toujours ça de prix. On gagne un peu de prestige. Alors, maintenant, il faut qu'on aille du côté de. On va essayer de voir si la reine là est repartie. Elle a une espèce de méga scorpion avec elle là. Ça donne envie. Est-ce que tu saurais où est Ryle? Des fois que. Ryle. Il est à Zagros Mountain, bah tout le monde est à Zagros Mountain, donc on va aller à Zagros Mountain du coup. Alors, on est où? On est là. Il y a peut-être un portail par là-bas, on va y aller. Passer par ici.
Non, c'est absolument un cul-de-sac. C'est totalement et définitivement un cul-de-sac. Ici, c'est pas un truc de recrutement. On va voir un peu ce qu'il y a dans le coin quand même. Il y a pas mal de dactes, très bien, d'apothicaires. On peut faire du heal. C'est parti. Pas cher, enfin, ça coûte même rien d'ailleurs. On peut faire des exercices de force, de la résilience, burning elixir, toxique. On va rester comme ça pour l'instant. Est-ce que le marchand veut bien nous parler? Non, on n'a pas assez de prestige ici. Non. Ok, donc il faut qu'on essaye de se faufiler. Hop là. On va donc découvrir cette nouvelle zone. Il faut qu'on descende. Par ici. Alors là, c'est un caillou, ça. Ils attaquent, là? Ah oui, complètement, ils attaquent. En avant. Donc c'est un dib, il nous aime pas, mais on va quand même essayer de l'aider. Ah, notre super truc qui augmente les alliés n'a pas l'air d'augmenter les... Ah si, ça y est, ça met juste un peu de temps. J'ai l'impression que ça n'augmentait pas les... nos alliés... comment... Bah, ceux qui sont pas partis de notre groupe, quoi, tout simplement. C'est marrant, ils explosent en pièces d'or. C'est sûrement une compétence d'un des... d'une des troupes de nos alliés. Ils sont plus que deux, on les a dépouillés. Alors, est-ce que du coup ils nous aiment un peu plus? Alors, les dibs, nous... bah c'est pas toi qui avait une... Bah si, c'est lui qui fait chier la reine des Dacnes, là. Reviens, reviens là, reviens là, reviens là. Alors... D'accord, ok. Ah merde, putain, c'est direct le combat. Ouh, ça va peut-être piquer un peu, là. Ça va, on en a tué la moitié sans qu'il nous fasse rien, c'est pas si mal. J'ai l'impression qu'on a nettoyé le Golden Kabir là. Ah, il est lent le loup, enfin l'ours. J'ai l'impression que nos troupes sont quand même plutôt de qualité, hein, du coup. J'aurais pas cru, mais... Ah, merde. Effectivement, ça je l'ai pas vu venir par contre. Ils sortent d'où, eux? Merde, ça doit sûrement être des renforts ou un truc du genre qui sont arrivés. Sur la map. Défoncer, hein, c'est pas trop la question. Ok, bon bah ça veut dire qu'il faut qu'on le chope. Un peu plus. Waouh! Alors la quête a expiré et on s'est fait dépouiller la tronche. On va recharger, c'est pas grave. Ah, on était aussi loin que ça. On a pas la... Là, on n'avait pas l'armure, hein, je crois. Si, on l'a l'armure, parfait.
Par contre, on n'avait pas dû découvrir. Ouais, c'était, je venais juste de découvrir ce bout là, là. On va le finir comme ça. Je m'en souviendrai pour la prochaine fois que c'est fait. Hop, hop. Ok, donc du coup, le Goldy Kabir, on est tout à fait capable de se le faire. Par contre, s'il y a des renforts qui arrivent, c'est plus la même, quoi. Clairement. Ah, on a eu nos potions, ça c'est cool. On va pouvoir restaurer un peu. Ah, d'accord, ok. Donc il est en train de mourir, il ne peut pas combattre. Le restaurer, du coup, va nous coûter encore plus de sous. En plus de notre potion. Mais on va le faire, bien sûr. On va les remonter à 3. Voilà, on utilise nos 3 potions. Alors là, les Desert Brother Roots n'attaquent pas l'arène, ils sont pas tout à fait tordus. Ici, il se passe quoi? Alors. Ah, ok, il y a les Alpine Warmongers qui sont en train de combattre les Dakna. On va aider les Dakna. C'est un siège. Ah, d'accord, intéressant. Donc là, on voit qui est de notre côté. On voit qu'il y a la. La Dakin qui a 101 troupes. Eux, ils en ont 50. Nous, 58. Du coup, on en a 209 en tout. Il y a des renforts qui arrivent. On peut visiblement lancer l'assaut. Et donc, du coup, on se retrouve en siège. D'accord. C'est absolument pas ça que je voulais faire. C'est comment déjà? C'est ça, voilà. Alors. Donc, on va prendre avec nous. Alors, ceux qui sont en attaque, on va leur demander de nous suivre. Un petit Wolf Alpha. Les barres, ils viennent avec nous. Vous et vous, vous venez avec nous. Pour l'instant, on voit qu'on en a zéro, s'imagine, parce que c'est des. C'est des renforts. Donc pour l'instant, ils sont pas avec nous. Invoquons des petits loups. Hop là. Ça pique. Mais on enchaîne bien les coups critiques, donc c'est plutôt cool. Et puis alors ils volent les mecs. Où est-ce qu'on est ? On est mort. On est en train de se faire repousser là. Ah, ça c'est c'est boss. Enfin cette boss. Dépouillé, ça en fera un de moins qui sera énervé. Un héros. Un swordman, il fait mal au fion. Ouais, l'attaque, le coup de griffe de zone là, il fait bien plaisir quand même. On a plus de mana, on va se faire lui là. Hop, hop, voilà. Ouh, ça commence à être tendu la vie. On a un petit peu de heal, on prend. Merde. On a qui avec nous là? On peut payer 20 ressources pour le ressusciter. J'imagine que, vu que c'est rouge, on n'a pas 20 ressources. 15 par minute, 10 par minute. Available battlefield ressources. Bah, si pourtant on a ce qu'il faut. Priorities, attaque, défendre, follow.
Je sais pas comment on fait pour les ressusciter. Ah mais c'est peut-être le prioritize là qui... merde. Select the location. Ah ok d'accord, faut que je choisisse un endroit. Player il est là. Sex to regroup your, j'imagine your squad. Bah c'est ici que j'aimerais bien qu'ils se regroupent. Ok d'accord, ça y est, j'ai plus le message. Donc j'imagine qu'ils vont se regrouper là. Ah ok, ils peuvent pas se regrouper aussi rapidement. Oula, y a du monde là. On voit les rafales de flèches qui arrivent. C'est un peu la violence. On va essayer de s'éloigner un peu. Il n'y a pas que nous qui avons des barres visiblement, ça fait plaisir. Évade mes coups qui me soignent, c'est pas cool. Aïe. Putain, ils ont du peuple encore. Hein. Il va falloir qu'on mette, qu'on demande à plus de gens de nous suivre là. Follow, follow. Follow, follow. Follow, on va mettre tout le monde en follow. Ah, le battlefield est full. D'accord, très bien. C'est pour ça. Alors comment ça se passe? Tu fais quoi toi, la reine machin là? Alors je sais pas du tout si à un moment on gagne, parce que nous on est censé défendre bien sûr. Est-ce qu'on gagne s'ils arrivent pas à prendre le champ de bataille? Je ne sais pas. C'est pas impossible hein. Wow la vache, dès qu'on s'approche c'est la fête quoi. On se prend tellement de rafales dans la tronche. Il faudrait qu'on soit capable de monter une attaque mais... Après, je pourrais essayer de leur envoyer voilà, un truc comme ça dans la tronche. Voilà. ouais, non, je crois que là. Ok, c'est quoi ce machin là? Un cauchemar. Alors on est capable de les regrouper. Mmh.
Ah, il faudrait que... qu'elle attaque elle, hein. Peut-être que l'objectif c'est d'être en défense. Après tout, ils sont censés nous attaquer quand ils veulent nous attaquer. On va essayer de se mettre en défense pour voir. Défendre, défendre, défendre. Là, on peut pas mettre plus de troupes, pourquoi pas. On va chasser ceux qui se baladent un peu à droite à gauche. Alors du coup ça fait un épisode un peu long parce qu'une fois de plus hein, je découvre un peu le truc mais... de monde ici. Alors 23 c'est qui? 23 c'est pas une troupe à moi hein, visiblement. Donc les Bar Wizards on va les mettre là. Non, c'est full. On peut juste pas mettre d'autres troupes. Mais cela dit, bon bah on est en défense, mais si personne attaque, ça risque d'être un peu long quoi. Faut dire ce qui est. Parce que là, ils sont bien bien nombreux. Nous, on est bien nombreux aussi sur chacun de nos points. Si c'est plein et que je peux pas dire aux gens d'attaquer, ça va pas être simple. Là il y a une fan ici qui fait rien, très bien. Ok, on peut éventuellement changer la caméra. Ouais, ouais c'est pas possible. Wow la vache. Cette violence dès qu'on s'approche. Alors c'est peut-être un bug hein. Peut-être que les sièges sont pas encore tout à fait au point. Bon, quand je m'approche j'en fais sortir quelques-uns. Le problème c'est que bon, ça aide pas des masses quoi. C'est un chouïa trop près là. Là, je peux courir un peu pour les faire sortir. Hein. Mais moi, c'est rafale de tir là. Ah, tiens. On dirait qu'elle a décidé de sortir la Dark Queen là. Bon, bah, on va essayer d'aider. Oh la vache. Ouais, alors même elle se fait défoncer par contre. Hein. J'ai peur que ce soit pas la bonne idée là. Bon, après, il y a du monde qui est sorti. Je suis trop près là. Invoquer le truc mais ça n'a pas suffi, je suis mort. Bon, après si des troupes se font buter ça va peut-être être l'occasion d'en faire revenir certaines des miennes hein. Regroupez-vous là. Tout le monde en follow. Follow, 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 follow. Tiens, eux ils sont en attaque, ça va pas. Eux aussi. Hop.
Ok, il se regroupe un peu sur moi. Là, il y a machin qui y va. Ok, il y a un peu de monde là. Ça va être mieux. Alors déjà, on va invoquer ça. Ensuite, on invoque nos petits loups. C'est la violence. La arène fait mal hein. Mais bon, ils sont trop nombreux hein. Ils sont beaucoup trop nombreux. Waouh, comme ils m'envoient en l'air. Oh putain. La vache. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu bugué. Hein. On est où nous? On a ressuscité là cette fois? Oh merde, c'est fou là. Ah non merde, on est complètement pas là, c'est de l'autre côté. Ah mais oui, parce que le temps passe toujours pendant ce temps là. Ouais, je peux pas tout gérer tout seul, hein, c'est pas possible. Youssef là, oh putain Youssef il fait mal au fil, il me stun. Et puis alors plus le temps passe, plus il y a des troupes qui s'ajoutent, c'est ça? Après nos witch ils font le taf hein, leurs petits orbes là, ça fait bien plaisir. Hein. C'est trop proche. On recule. Ouais, dès que le petit scorpion il est tombé, c'est fini quoi. Heureusement qu'on peut invoquer des trucs pour nous aider. Hein. Bon, ok, cet épisode est beaucoup trop long. On va s'arrêter là pour cet épisode-là. J'essaie de comprendre un peu mieux comment fonctionnent les trucs, voir si je peux faire venir d'autres personnes. Et dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Les sièges changent un peu le gameplay, effectivement, mais j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait au point. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.